Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette de choux rouges avec des pommes et des lardons. Donc c'est super facile à faire et c'est très très bon. Je vous laisse tout de suite avec la recette. Donc moi, j'ai pris la moitié d'un chou. Avec l'autre moitié, on va faire du jus. Donc là, je vais enlever le cœur. Voilà, donc j'ai enlevé les premières feuilles, j'ai enlevé le cœur, maintenant on va couper finement. Donc moi, je vais utiliser des lardons de poulet. Voilà, donc là je vais faire colorer un petit peu les oignons et les lardons. Je rajoute le chou rouge. Donc après ça va réduire à la cuisson. Donc j'ai coupé 4 pommes en petits morceaux. On va rajouter du sel. Deux cuillères à soupe de sucre. Deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Et je vais mettre un peu de thym. Donc je rajoute 2 feuilles de laurier et je vais mettre l'équivalent d'un verre d'eau. Et maintenant on laisse réduire. On va laisser compoter environ 1 heure. Donc comme vous pouvez le voir, ça a déjà bien réduit, ça sent super bon. Donc j'ai oublié de vous préciser, c'est mieux sur feu doux, il faut bien remuer pour pas que ça colle. On enlève les feuilles de laurier et c'est prêt à servir. Voilà, donc le chou rouge est cuit au bout d'une heure, donc il a bien réduit, ça sent super bon. Maintenant, on va enlever les feuilles de laurier. Voilà, donc ma recette de chou rouge est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Bonne dégustation et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.